Boye ela mukozwa sango ya affrontement oyo et continue à l'est de la République démocratique du Congo binoboza ebele bolinga kakoyoka masolo ya makambo oyo ezoleka na kati ya mboka na biso yango lelo to ebisi bino boye ela mulisusu les dames et messieurs. Pona kobanda Naza Youssoufou Kibingila David Naza journaliste d'investigation basé à l'est ya mboka c'est-à-dire basé à l'est de la RDC. Tozali awa lisusu pona lelo na mokolo ya lelo kopesa bino basango oya makambo ezoleka na kati ya mboka na biso ba affrontement oyo boyokaki ezoleka nango kilikili dans le territoire de Masisi, dans le territoire de Rutshuru, mais également les accalmies qui règnent de l'autre côté lelo. Ce sengeli toye ba vérité ya makambo oyo continue jusqu'à présent, qu'est-ce qu'il faut retenir? Donc tozali wana quotidiennement, tozali wana chaque jour kopesa kabino ba masolo basango ba information oyo tellement vérifiée, ba information tellement véridique sur ce qui concerne la situation à l'est du pays. Munguna si a engagé batu ebele pour na kosala makambo oyo ya kosala ba banani ba information à lukuta boye bibino moko comme CP, GER, RDC et Saleki ba repérage ya ba media nyoso oyo ya lukuta. Donc boye biango c'est pli à moi de citer ça. Bilomoko boyebi au travers ba compte X au travers ba YouTube ba compte Belé Munguna si a Kelly Munguna si a créé déjà ba compte wana pona kopesa ka basango ebele ya lukuta yango bana mboka bozoyo ka basango mosusu bomiyoki botiki na kipeleke se boyebi te bo choisir ya wapi ya vrai ya wapi oyo eza vrete mena lelo na ebisio mukolo ya lelo eke Congo Live Television oyo eza awa pona kopesa kayo mukolo nyoso ba information oyo vrai vérifié na ba journaliste nango oyo ya investigation oyo baza chargé komemela yo sango kolekela makambo oyo ezoleka na kati ya mboka na biso yango motivation efo esengeli e donc motivation esengeli ezala na biso nyoso motivation esengeli ezala na ba congolais nyoso c'est-à-dire tous les congolais doivent être unis pour voir comment est-ce qu'ils vont mettre fin à cette guerre nous imposée par les Rwandais. Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, la guerre est toujours Sibir, et sa guerre est la République qui est à mon côté, parce que nous tous, nous en sommes victimes. Ceux qui m'ont visé, quand ils ont annexé la Rwanda, et que nous tous, nous serons victimes. Donc, les gars, mboka na biso na intégralité nango epa ya bana na biso lokola lobami na nanani na hymne national na biso na nzembo oyo ya nationalité na biso tokokabela bana na biso mboka oyo eza na intégrité mobimba siko soki parti kiteni moko ekei tokotikela bango mboka ya wapi. Nous les devons des explications, nous les devons des explications pourquoi est-ce que nous ne sommes pas jusqu'à présent motivés pour mettre fin à cette guerre. Okoza lozana poto, okoza lozana kati ya mboka, mais sachez très bien que l'affaire de l'Est te concerne. Chacun na ran na ye, chacun na niveau na ye, chacun na domaine na ye, il faut tozala impliquer pour mettre fin à cette agression nous imposée par le Rwanda. C'est pas seulement une responsabilité de l'État congolais, c'est pas seulement une responsabilité du gouvernement congolais, c'est une responsabilité ya biso nyoso, toko tana makambo, poto mona boni, toko sala biloko yango. Olelo toyeli susu pona kopesa bino ba information oyo eza na tina. Ba information oyo ya munguna zo kosa biso place a kosi bino. Biso toye kopesa bino ba information oyo eza vérifié. Parce que biso moko toke ndaka tina ligne de front. Biso moko toke ndaka tina ligne de front boto yeba. Ba information oyo munguna zo pesa. Est-ce que ça est vrai? Tout ce que ça y a lukuta. Tu es lukuta. Eza lukuta mobimba. Eza lukuta mobimba. On admet aujourd'hui qu'ils occupent certaines parties. Yambo kanabiso. On admet aujourd'hui que dans les territoires de Rutshuru, basu ba localité ebele, on admet. Mais cela ne fait pas part que non les lots qu'on appuie maintenant les M23. On ne peut pas l'appuyer. Vous qui ingérez le gouvernement congolais, ça ne va pas changer dans vos injures. Vous qui injuriez l'État congolais, ça ne va pas changer dans vos moqueries. Vous qui se prenez au FRDC pour les qualifier de tout ce que vous pouvez les qualifier. Malgré au C2, entre eux, il y a le traître, mais il y a les bons militaires. Il y a les militaires éduqués. Il y a les militaires au Bandima, Baloba, Bakoukoufa, Pona Ekolo. Il y a des militaires au Bazoukoufa, Pona Ekolo. Il y a des militaires au Bakouma, Baborne. Des militaires au Bakatama, Balokolo. Lelo, Pona Mboka.
encouragement na biso efoye sengeli to tia bango loboko to pesa bango motivation to pesa bango courage pour que bakende liboso ba mona boni bakotia munguna à l'extérieur. C'est-à-dire si vous pensiez que cette affaire ya Bitumba ya Est ezaka ya gouvernement omiko si c'est pas seulement pour le gouvernement, c'est pour nous tous parce que mboka oyo eza ya biso. Peto kotikela ngo bana na biso, bokotikela ngo bana na biso na intégralité na ngo mobimba. C'est-à-dire nous devons tous nous impliquer. Ceux qui vont parler, ceux qui vont conduire le gouvernement congolais, ceux qui vont donner leur suggestion na ba gouvernant oyo esengeli esalema. Ko banga te, oza na poto oza wapi, ko banga te. Ne vous attachez pas seulement sur les injures. Oh, yo finga ka gouvernement, yo salaka boete. Ne vous attachez pas que sur ça. Attachez aussi vous à la prière. Baye oyo basambe la kapo na mboka oyo. Nzambe apambola bino. Nous le croyons du fond de notre cœur que Mukolomoko eko simba pe agression wana eko sila. Nous le croyons du fond de notre cœur. Alors pour aujourd'hui, les dames et messieurs, nous venons encore une fois de plus pour vous édifier, pour vous mettre à niveau sur la situation de ce qui se passe à l'est de la République. C'est-à-dire, aujourd'hui, on va parler de ces poursuites, des affrontements à Masisi, mais également, il y a d'autres choses qui se passent au-delà de Masisi. Là, nous sommes dans les Rutshuru. Là, c'est à Kibirizi, les rebelles du M23 ont installé depuis un certain temps un administrateur du territoire, c'est-à-dire, Bazo renie kunasko, mibeko oyo batie kuna. Oya kobuma population, vous allez découvrir tout au long de cette émission, ya mibeko kuna kobuma population, oyo si ebimi déjà depuis lobby ebimaki, ben information toujours qui na ba source oyo za sur place, mobilisation des Congolais à ce qui concerne cette guerre, mais également au-delà de ça, la vie qui mène les déplacés de guerre, on y parlera juste à la fin, on y était. Pour d'autres assistances, tous ceux qui courent la bande de Gonabiso, naibisa qui binoke, mon colonio saute tous ceux qui quelque chose, Zambé a sungi tous ceux quelque chose, ils aient approché Nanga, ils aient approché Amoninga, Andimi, nous rendons toujours sur les lieux, nous rendons toujours sur place pour visiter les déplacés de guerre, car ils n'ont pas à se vêtir, ils n'ont pas à manger, ils sont en train de souffrir. Au long de la ville de Goma, ici, aux alentours de la ville de Goma, aujourd'hui, nombre de ménages, c'est déjà au nombre de 200 000 ménages de déplacés de guerre. Alors, si nous, personnellement, tolati a fait ouana te lokola ya biso peto ya na secours ya bande kona biso, ça ne va pas sortir. Et qu'aussi maté, yango, même à la fin, tokoka ba message na ye bino, bolingi, bo soutenir batouana. Des affrontements entre les rebelles du M23 et les terroristes du M23 et les jeunes résistants Wazalendo, appuyés par le FARDC, Forces armées de la République démocratique du Congo. Les rebelles du M23 ont largué des bombes dans la cité de Minova. Cette bombe a causé plusieurs dégâts matériels ainsi que des gens qui ont été vraiment blessés. Là, on est dans les territoires. Là, on est dans la cité de Minova, précisément dans la province du Sud-Kivu. Des sources locales rapportent que les bombes sont venues des côtés des collines sur Plomba Bweremana, là, à côté de Chacha, occupées par les rebelles du M23. Par ailleurs, la situation est restée tendue jusqu'à ce mercredi 20 mars 2024, tout autour de la ville de Goma, mais également tout autour de la cité de Sake. Là, Sake, alors là, c'est dans les Masisi, Kamuronza, il faut toujours comprendre que toujours dans les territoires des Masisi où les rebelles du M23 avaient déjà perdu la bataille et ils sont encore rentrés pour tenter une deuxième chance pour voir s'ils peuvent encore une fois récupérer la cité de Sake, qu'ils n'ont jamais récupéré. Ils ont encore tenté de nouveau pour voir ce qu'ils peuvent faire, mais je vous assure ici que cela n'a pas tenu. C'est-à-dire, ils ont été sérieusement battus dans les territoires des Masisi, ainsi ils se sont réfugiés dans les territoires de Rutshuru. Là, ils ont semblé gagner la bataille, mais non la guerre. Ainsi, il faut encore les backups dans les territoires de Masisi pour voir s'ils vont faire même mise que dans les territoires de Rutshuru. Mais Naibi Sibino, Wana, Ezo, Simba, Te. C'est après deux jours d'affrontements tellement agités dans cette zone, à la suite d'affrontements violents entre les rebelles du M23 RDF et l'armée congolaise soutenue par les partenaires locaux du Wazalendo.
Il faut aussi noter que le mardi, plusieurs bombes ont été larguées par les rebelles du M23 et cela a été ciblé et a tombé, a fini sa course, alors s'il faut le dire, dans le base de la MONUSCO et celle de la force de la SADC. Là, on est à Mubambiro, faisant des blessés dans les deux bases, celle de la MONUSCO, mais également celle de la SADC. Donc, il faut comprendre qu'au-delà de ces bombes-là qui ont été larguées mardi par les rebelles du M23 dans la base de la MONUSCO, ainsi que celle de la SADC, où il y a certains éléments de la MONUSCO qui ont été blessés, des casques bleus, mais également celles de la SADC qui ont été aussi gravement blessées. Bango pe bandi kozo kanabitumbango, ba rebelles du M23, bazo boaka, ba bombe. Mais faut noter que les affrontements se focalisent trop dans les territoires de Masisi, tout autour de Chacha, wana basiba zui. Cité wana oyo, wazalendo wazo mona boni bakosala. Pour que cité wana ezala doloje, donc on espère jusqu'à présent et que eloko wana ekosimba et sengeli kato pesa bango courage et sengeli kato pesa bango motivation et sengeli kato soutenir bango pe bitumba yango bakolonga. Au-delà de ça, cité donc Ngomba oyo ya Kabase eza déjà sous occupation ya ba jeune résistant wazalendo, mais également Ngomba oyo ya Ndumba à 60%. Aujourd'hui, il faut le dire que c'est sous occupation. Il y a des jeunes résistants ouazalendo. Alors, s'ils arriveraient à tenir l'intégralité, il y a Dengombawana, ça sera facile de déloger les rebelles du M23 d'Achacha et la route nationale numéro 2, alors qui relie la province du Nord Kivu et la province du Sud Kivu, sera libre. Et là, les denrées alimentaires pourront arriver dans la ville de Goma sans problème. Pourquoi il continue à la logique d'observation? Il anticipe à la guerre et c'est ça aussi, il faut le dire. La coalition M23 AFC interdit l'accès aux champs à toute la population de Kibirizi. Les villages de Kachumiro est désormais une ligne infranchissable. C'est-à-dire, nous avons dit au départ que les rebelles du M23, depuis un certain temps, Bazouaki, Makasiwana, Yako installé administrateur dans les territoires de Rutshuru. Mais, ils ont momentanément, Zawana, mais, à Kolungwa Mkolomoko. Sikoyo, Kibirizi, Oyonzela, Yako le Karwindi. Parce que, cartographiquement, là, on est dans le Grand Nord déjà, on est au nord de la ville de Goma. Batouana, ndenge bazalaki kosala dans l'ancien temps, dans les Rutshuru, lelo bazongeli système wana, yako interdire ba paisible citoyen congolais ko accéder na bacha na bango. Lelo. Batouana, bazo interdire ba congolais ko accéder na bacha na bango. Ces gens vivent qu'on dépend de ses travaux, de ses activités champêtres. Maintenant, ceux qui ba arrêter bango, na ba activité wana eza koloba balingi ba buma bango na nzela na kati na bango koza baye oyo bakima bitumba oyo bazana ba kote wana na ba ena na bakati na bango koza baye oyo bazakaka na mboka oyo bazwaki sikoyo mutu na ngana lelo pona nanga. Je disais je vais demander cette question d'abord à nanga parce que je sais bolanda kabiso na yebi olanda kabiso nanga, vous prétendez rétablir la paix à l'est de la nation, à l'est du pays, à l'est de la RDC. C'est ce que vous prétendez. Qu'une fois vous récupérez peut-être tout le Nord Kivu, toute la province du Nord Kivu, la paix sera rétablie. Maintenant, ma question est celle-ci. Pourquoi est-ce que là où vous êtes d'abord, place Kuna Ozali Nanu, les gens n'arrivent pas à vivre la paix? Nanuchuru wana place Ozali. Place kuna ozali, place oza mukonzi. Parce que lelo, il faut yeba ki yondo zana mutu ya M23. Yo Congolais, omikuti na coalition ya ba étranger pour agresser votre pays. Vous prenez les armes contre votre pays, lelo. Ozui manduki contre mboka na yo. Ba mama ye oyo bazo zala viole. Ba tu oyo bazo kufa. Ezana mutu na yo. Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas aujourd'hui mettre ces gens à l'aise? Pourquoi? Pourquoi vous ne voulez pas que ces gens vivent leur liberté?
Est-ce que place besoin qui va accorder à Bino, population Wana, et Zalaki na Katia Makambo, et Zalaki de? Pourquoi Bango le long des bazar, victime, il y a un conflit na Bino? Pourquoi? Il faut banza na makambo wana nanga banza vraiment banza yango parce que si c'était ta mère qui souffrait comme ça, si c'était ta femme qui souffrait comme ça, si c'était tes enfants qui souffraient comme ça, tu n'allais pas être content. Tu n'allais pas être content. Il faut dire que ce dernier, il y a 2 semaines après l'occupation du groupement Mutanda, la coalition a installé mardi 19 février une nouvelle administration. La cérémonie a été lancée dans la localité de Kabanda, dans l'agglomération Kibirizi, en chefferie de Bwito, dans le territoire de Rutshuru. La coalition a installé également Muhindo Bauma, grand frère et conseiller des chefs qui étaient en place aux Omona. Bazo Ah, Makambo, ils ont les Kanakati Bazo installé Banamboka. Banamboka oyo bango ba komi pe ba traître. Les gens qui sont des messes, qui servent des béquilles au M23. Autre chose que je vais vous dire ici, ne vous étonnez pas pourquoi est-ce que dans les Rutshuru, Bamboka qui est belé, mais dans les territoires de Masisi, ils ont qui est belé. Dans les territoires de Rutshuru, il y a certaines des populations, il y a certaines populations, il y a la population, il y a des individus, des jeunes et Mboka. Oye bazo servir batu wana na kam, na kati ya makambo wana. Eza na batu oyu. Bazo servir batu wana. Bazali. Oye bazo apuye batu wana. Oye bazo tia bango loboko. Bazali. Eza na batu oyu. Eza na group ya de gens qui donnent les informations ya makambo nyoso. Na mboka oyu FRDC est occupé, mais il y a certains Congolais Oye bazo livre ba information na kati ya Munguna na epa ya Munguna. Yango ozomona ba mboka zo kende kili kili boye. Il y a pas une collaboration de la population avec l'armée congolaise. L'armée congolaise, la population, certaines populations ne facilitent pas la tâche à l'armée parce que l'armée ne peut pas gagner la guerre sans l'anticipation de la population. Yango ozomona dans les Masisi ba anticiper belete na Batouana. Mais dans les territoires de Rutshuru, certains naïfs balandi bango. Selon un membre de cette équipe contactée, équipe installée a pour mission principale recruter des résistants patriotes qui vont donner un coup de main à la rébellion par infiltration pour conquérir et garder longtemps les espaces conquis. Bite, Yakope Sabajen Wanambongo. Bite, Yakozwa Bajen Oyamboka dans le territoire de Rutshuru. Gilles Moulumba Bozolandangaï, je l'ai dit ici aujourd'hui, et que Bite à Batou Oyo Boyoga qui nous a installé Bango Kuna na Kibirizi. Bite à Batou Wana, et ça que l'on va recruter ma jeune. Parce que nous savons aujourd'hui qu'il y a des jeunes Oyo Baza recruter les lots, ma jeune Oyo, Bazo Tindikama, Balobi qui nous a Bango Pe Baza Bazalendo, pendant que Bango de Bazo servir de béquilles na M23. Parce que Bite, il y a M23 aux Oyo Baza, et ça que l'on va recruter les lots. Bazwa ba jeune wana ba servir bango pe ba koma na kati ya rébellion. Vous voyez un peu ba ya et pa yi oyo bazalendo ba vrai bazalendo bazali bazala ba infiltrer na kati na bango pour que ba espace oyo bazwa ki depuis kala et kala ya bango eloko oyo ko simbate eloko oyo makambo eko kende na ngoli bosote parce que l'affaire de l'Est est une affaire oyo concerné ba congolais nyonso parce que ba ye oyo ba ko servir de béquilles na batwana ba ye ba ki na makila ya ba ye oyo Bazo kufa bakolelaka mukolo moko na makila ya baye oyo bazo tanga ma mukolo nyosu baye oyo bazo kima na bakati ya bage ya baka ya ba déplacer baye oyo bazo za la violer 10 jours au lendemain mukolo moko mukolo zo ya eloko wana ekosila pe bakozala na ba coupable direct na kati ya makambo oyo ezo salema na kati ya mboka na biso. Mesdames et messieurs, balandi ya Congo Live Télévision na bisika bozolanda biso tolobi matondo mingi na baye oyo bapona Congo Live TV
matondo mingi na baye oyo bandima kowa po na mboka matondo mingi na baye oyo balanda kabiso tolobi vraiment merci beaucoup na baye oyo bazana détermination ya kowa po na ekolo mais tokoki ko silisa masolo na biso ya lelo te nalobi yango très bien nalobi yango très bien balingi ba fabrike ba faux azalendo po ba ya ko intégrer groupe ba vrai bazalendo po ba servir bango ba mona boni ba ko neutraliser bazalendo parce que basi ba luki moyen nyoso ya ko neutraliser bazalendo basi bazangi alors les vrais bazalendo soyez prudent Gilles Mulumba soyez prudent de konangai David Zimbie soyez prudent de konangai masolo yo kami déjà qu'il faut ba infiltrer bino. Soyez prudents. Les dames et messieurs, on ne saura pas finir cette émission tant qu'on ne parle pas de cette affaire. Il y a bande qu'on a biso va déplacer des guerres. Nous avons biso qui vino depuis le départ et que tous ceux qui kuna, tous ceux qui ont assisté bango, tous les ambassades na bango elongo, nous avons zala katolie na bango elongo, tous mi amizé na bango elongo, tous sakiani na bango elongo. Pour ba mi sentir bazanga bango selte, pour ba mi sentir baza bango mo côté baza pe na bande ko na bango oyo ba mi soucier na étape na ba situation oyo bazo lekela yango lelo tozo benga bino lisusu boya ko sunga batuana tozalaki na bango lobi omona calvaire bazo vivre bo mona vie bazo vivre. Aujourd'hui, il y a déjà nombré plus de 200 000 ménages autour de la ville de Goma. Il y a des déplacés de guerre. C'est-à-dire, ceux qui ont été en bas, ils ont été en bas, ils ont été en bas, ils ont été en bas. $1, $10, $20, n'importe combien, ils ont été en bas. Ceux qui ont été en bas, ils ont été en bas. 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 Sombela bango memela bango kuna ozana Goma ozana Bukavu ozana Kolozi ozana Kinshasa ozape na libanda ya mboka ozana bailambo yolata katetina yango ekosunga bango ekosala pe bien na motema. Les dames et messieurs, merci pour aujourd'hui. Je vous ai dit au départ que je suis Youssouf Kibingila David, c'est-à-dire il faut noter que les accalmies demeurent dans les territoires de Rutshuru, mais le combat continue dans les territoires de Masisi où l'armée et les FRDC et les jeunes résistants Wazalendo prennent part et à force, pe bazo continuer toujours sans belanzambe à Sunga. Yango donc ba information toujours en gros na mukolo oyo ya lelo. Tolobin et matondo mingi na baye balanda ki biso depuis le départ jusqu'à la fin. Merci les dames et messieurs, prenez bien soin de vous. Je reste disponible au plus 243 9 93 46 71 93. Passez une excellente journée les dames et messieurs et surtout à la prochaine pour une nouvelle émission.